Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un petit résumé de l'intégrale des trois saisons qui sont sorties de l'Attaque des Titans. Donc, je ne voulais pas faire un résumé basique comme tout le monde fait avec il s'est passé ça, à tel moment, un peu comme une liste. Je voulais essayer de vous faire ça sur un peu plus scénarisé, avec un peu un côté observation, récit qu'on vous retransmet lors d'un livre ou comme ça, d'un rapport. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, je sais que c'est un résumé qui va être un peu plus long qu'un simple résumé qu'on peut trouver autre. Mais j'espère que vous le trouvez complet, intéressant et original la façon que je vous le présente. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour la passion, car toute passion se vit avec le cœur et le plaisir. Vous pouvez me soutenir avec un like, un commentaire. Je vous dis bonne vidéo. Bonjour à tous et à tous. Je me présente, je suis un observateur. Groupe qui vous sûrement pas connu à l'heure où vous lirez cet ouvrage. Et si vous le lirez, c'est que je suis ainsi disparu. Nous, les observateurs, nous sommes là pour épier, espionner, observer et retranscrire tout ce qu'on voit, qu'on entend, rumeurs, coupables, innocence. Tout se joue dans les coulisses. Nous sommes au service du roi et nous sommes inconnus de tous. Si vous trouvez mon ouvrage, vous allez découvrir tout ce qui s'est passé. Je suis Alchimie, l'observateur caché. Mon histoire commence dans l'enceinte du mur Maria. Plus précisément, dans l'enclave de Sigonchina. Un jour paisible, tout le monde habitué à se balader, à vivre, les enfants courent, la garde qui s'amuse à picoler et jouer, comme d'habitude. Et certains petits garnements viennent les embêter, avec des grands discours de paix, de liberté et d'héroïsme. Ça me fait bien rire. Mais ce jour-là, les rires se sont vite évaporés. Un grand bruit est venu, le mur cède. Un titan colossal est apparu et a fait entrer une armée de titans. Tout le peuple était en panique. Nous avons dû fuir et je devais suivre tout en observant tout ce qui passait. Elle a quand même pu voir tout ce qu'était l'être humain. À l'heure de la peur, Yves pour sa vie. Et même les soldats qui devaient protéger le peuple se sont retrouvés quand même démunis face à ces titans, terrorisés. Évidemment, j'étais aussi peureux qu'eux. Je ne m'attendais pas à retrouver, en me levant ce matin, une armée de titans entrée dans les murs. Mais ici, j'ai pu observer que beaucoup de gardes n'étaient vraiment pas prêts à affronter des titans. Beaucoup de pertes ont eu lieu, mais beaucoup de vies ont été sauvées. Du moins, jusqu'à qu'il soit qu'on soit tous retrouvés dans le mur rose et qu'on se remarque que la pénurie des nourritures risque de sonner en gardant tout le monde. Alors l'État avait décidé d'envoyer une expédition de reconquête. Ou plutôt dire, envoyer tous ceux qui ne seront pas utiles, vieux et volontaires, se faire massacrer par les titans afin de sauver leurs éventuelles descendances et le reste de l'humanité. Pas la joie pour l'humanité. Quelques années plus tard, tout était revenu, pas de traces de titans colossales, tout allait bien. Bon. Et c'était quand on était tous rationnés avec des nourritures encore plus réduites que d'habitude. Mais à part cela, tout allait bien. Jusqu'au jour, cette fois-ci, le titan réapparaît. Même chose, brèche dans le mur, les titans entrent. Le peuple, encore massacré, dévoré. Et moi, toujours là à observer discrètement et à prendre des notes. Mais cette fois-ci, ça a été différent. Soudainement, un autre titan s'est mis à attaquer les autres titans. D'où il venait, on ne le savait pas. Tout ce qu'on a vu, c'est que ce titan éclatait la gueule aux autres titans et nous permettait de nous sauver. De pouvoir épargner beaucoup de vies et de pouvoir nous mettre au maximum en sécurité. Et ce titan n'était rien d'autre qu'un humain. Et cet humain transformé en titan n'était rien d'autre que Eren Yeager. Je vais beaucoup vous en parler parce qu'il va faire beaucoup de parler pour lui et surtout, il va changer l'histoire de ce monde. Et sans hésiter, nous avions décidé d'utiliser ce pouvoir afin de reboucher la faille dans le mur. Le plan était tout bêtement de escorter Eren jusqu'au fragment de la porte qui avait été cassé, afin qu'il puisse la transporter et reboucher la brèche. Sauf plus facile à dire qu'à faire, car lors de sa transformation, Eren a perdu le contrôle. Il s'est retourné contre nous, tout en nous tuant des titans. Heureusement que Mikasa et Armin, deux de ses amis enfants et issus de la même promotion que lui, l'ont remis les idées en place, et ainsi Eren a pu reboucher la brèche et nous avons pu sauver notre partie de ville. Encore un jour noir pour l'humanité, mais comblé d'une lueur. Nous avions un titan dans notre camp, un titan qui pouvait tuer les autres titans, et ça changeait considérablement la donne. Eren fut jugé au tribunal, afin de savoir qu'allons-nous faire de lui. Évidemment, Saikan le voulait pour sa part, d'autres voulaient l'enfermer, d'autres voulaient l'examiner, et d'autres voulaient justement utiliser sa force. Et c'est le bataillon d'exploration qui a gagné Eren. Ils ont eu le droit de l'amener avec eux, afin d'essayer de découvrir d'où venait son pouvoir, et de savoir à quel point on pouvait l'utiliser, et si on pouvait l'utiliser pour reconquérir le mur Maria. Suite à cela, j'ai été muté dans le bataillon d'exploration, afin de garder un œil sur les chefs du bataillon, mais également sur le jeune Eren. Peu de temps après, nous voilons prêts à partir pour une première expédition hors des murs. Objectif, commencer à avancer vers le mur Maria,
afin d'entraîner de nouvelles recrues et surtout afin d'entraîner Eren. C'est également la première sortie hors des murs pour moi. Moi, hors des murs. Dans un des murs envahis de titans. Je me demandais bien comment cette expédition allait se passer et si tout allait bien se passer. Malheureusement, notre expédition hors des murs s'est pas passée comme il faut. On avait pourtant bien établi une stratégie avec. Mais un truc n'était pas prévu. Un titan à l'apparence féminin est apparu et nous a attaqué. Ouh, on a tout de suite vu que c'était pas un titan normal. Il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Impossible de savoir qui c'était et pourquoi. Nous avons réussi à trouver refuge dans un bois et nous lui avons tendu un piège afin de le capturer. Mais là aussi, ça a été un échec. On avait réussi à l'immobiliser, mais en hurlant, elle a fait un appel à de nombreux titans. Et ce titan en a profité pour disparaître au moment où elle se faisait dévorer vivante. Une fois de plus, nous sommes rentrés avec un air perdant au sein de nos murs. Mais tout cela était prévu. En réalité, notre expédition ne servait pas à entraîner de nouvelles recrues, à voir ce qu'était Eren capable, ou même de tenter à atteindre Sigonchina. En réalité, notre objectif était de voir s'il y avait d'autres titans alliés ou ennemis. Et à première vue, ce plan s'est révélé une victoire. Et malheureusement, le titan trouvé était un titan ennemi. Suite à ça, au sein du bataillon d'exploration, un autre plan s'est manifesté. Une jeune recrue du nom de Armin avait plus ou moins découvert l'identité de ce titan féminin. Du moins, il supposait qui c'était. Annie Leonhardt. Bien sûr, on n'avait aucune preuve concrète. Et la seule chose qu'on pouvait faire, afin de voir si nos dires étaient vrais. Donc, à l'abri de tout regard, un plan s'est mis en place. Lors d'un jour tranquille, au sein des murs, tout allait bien. Un plan s'est mis en place. Dévoiler la véritable identité de Annie. Pour cela, ils avaient mis un plan en plein milieu d'un district, sans évacuer personne, afin de pouvoir voir si Annie allait se transformer en titan. Ce plan considérait à faire semblant que Eren, Armin et Mikasa s'enfuient avec l'aide d'Annie des forces spéciales. Et ça n'a pas loupé. Ce plan n'a pas fonctionné en soi pour attirer Annie dans un lieu où elle ne pouvait pas se transformer sans faire de victime à un vrai ravage dans la ville. Annie a directement détecté le piège et s'est transformée en titan afin de s'emparer d'Eren et détruire tout ce qu'il pouvait et s'enfuir. Mais le bataillon d'exploration et les peu de soldats qui étaient en place ont tout fait pour l'arrêter. Encore un combat meurtrier avec des dommages collatéraux, des civils innocentes. Tout ça pour récupérer Annie qui s'était mis en forme de star dans un cristal incassable. En plus d'un client des Zek, beaucoup de pertes et impossible de récupérer d'informations auprès d'Annie, encore de lourdes pertes pour rien. Pendant ce temps, durant que le jugement d'Erwin se fasse, nous avons mis tous les membres du bataillon d'exploration afin de pouvoir garder un œil sur eux. Et là, on a eu un problème. Des bruits de pas qui faisaient trembler la terre. Nous savions. Des titans approchaient de nous. Tout le monde s'est mis à paniquer. Objectif, faire en sorte que tout le monde soit mis en sécurité. Nous avons envoyé nos membres du bataillon sans équipement à doigt de cheval afin qu'ils aillent prévenir les villages voisins qu'il y ait une brèche dans le mur rose. On n'y croyait pas. Comment ça aurait été peu possible? Donc nous avons tenté de tous nous enfuir en prévenant le maximum de villages en même temps. Mais acculés sous les titans, il ne nous a fallu qu'une seule solution pour aller nous protéger. Une tour abandonnée de la garnison. J'étais parmi ceux qui étaient partis en garde là-bas. Malheureusement, dans la précipitation, je n'avais pas pris mon équipement avec moi. J'étais sans armes, comme les membres du bataillon. Nous pensions qu'à la nuit, nous allons être tranquilles, car les titans sont moins actifs la nuit. Malheureusement, encore une fois, faux espoir. Un titan à l'allure bestiale nous envoyait des rochers sur le tour. Tous les titans étaient à fond sur l'attaque, comme si on était en plein jour. Et c'est dans la fin où on croyait que tout était perdu, qu'un autre titan humain s'est transformé sous nos yeux. Comment ça se fait qu'il y avait encore autant de titans parmi nous? Impossible de le savoir. Cette fois-ci, le titan en question était Ymir. Elle semble attaquer les autres titans afin de nous sauver. Pourquoi nous ne le comprenions pas non plus? Pourquoi elle ne s'est pas révélée si elle était de notre côté comme Eren? Encore des interrogations qui nous laissent sans voix. Et c'est ainsi que nous avions pu survivre à la dernière limite, en s'enfuyant avec le sur le dos de Ymir qui avait massacré une bonne partie des titans. Le lendemain, nous avons inspecté tous les murs. Aucune brèche. Tout le monde se pose la question, mais d'où venaient ces titans? Comment est-ce possible? À ce moment-là de l'histoire, je n'étais pas présent. Donc tout ce que je vais vous raconter, ça a été les dires que j'ai pu réussir à récolter en lisant les différents rapports et en écoutant à droite et à gauche. Pendant que j'étais sur l'expédition, en train de rechercher des éventuelles brèches dans le mur, à droite et à gauche, autre chose se passait sur les murs. Beltolt et Reiner se sont révélés être des traîtres. Ils cachaient en eux le titan colossal et le titan cuirassé. Ils ont tenté de kidnapper Eren et Ymir. Pourquoi, nous ne savons toujours pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont, dans un premier temps, réussi à s'emparer de Eren et Ymir. Les quads sur place les ont poursuivis. Mais ils avaient déjà trop d'avance. Ils continuaient les recherches
des rennes qui arrivent à retomber dessus. L'escadre de Rivail est partie aussi à la poursuite de Rainer et Belton afin de récupérer Ymir et Eren. Mais nous avions réussi à les rejoindre et malheureusement nous avions réussi à sauver que Eren. Ymir, pour on ne sait quelle raison, s'était rallié à Beltoth et Rainer. Et avec cela, nous avions perdu toutes les informations qu'elle aurait pu nous transmettre que nous ignorons encore. Mais les informations, nous avions découvert d'autres choses. Dans tout cela, nous avions découvert la véritable identité de Krista, alias Historia Reis, de la lignée royale. Avant de vous expliquer comment s'est passé le coup d'état, je vais vous remettre tout en place. Le bataillon d'exploration vient de découvrir que Historia était la véritable reine. Que sur le trône, c'était des usurpateurs qui étaient là que pour leur profit et leur confort de vivre. Et la troisième force était rien d'autre que la lignée royale. Voici les trois forces en place à l'heure actuelle. Et pendant cette période, tout va changer. Le coup d'état qui va avoir lieu va révéler de nombreux secrets que nous ignorons tous. Pendant que le bataillon d'exploration s'avançait vers le palais royal afin de remettre Historia en place et détrôner les usurpateurs, nous sommes fait attaquer. Une escouade équipée de l'équipement tribunal hors normes, équipée de fusils, on a tout de suite compris que ces armes étaient faites afin de nous pourchasser, afin de prévoir une éventuelle rébellion des utilisateurs d'équipement tribunal. Un conflit s'est mené dans la ville et, encore une fois, Eren et Historia furent capturés. Aussitôt, le bataillon d'exploration s'est focalisé afin de les retrouver, afin de démasquer où sont Historia et Eren afin de pouvoir les sauver et les récupérer, afin de mener le coup d'état. Donc pour le coup d'état, tout s'est joué facilement. Une simple farce, un piège. Nous avons fait croire au roi et à sa cour qu'il y avait une nouvelle brèche. Que le mur s'effondrait, qu'on allait devoir recueillir tous les civils au sein de la dernière enceinte. Si le roi allait trahir la loi en ne faisant rien pour sauver l'humanité, ou au contraire en ouvrant les portes pour accueillir les... afin de recueillir les rescapés. Et du coup c'était simple de les faire coupable parce que en fait il n'y a pas eu de brèche, mais vu qu'ils ont préféré leur confort à l'humanité, on les a destitués. Du côté de l'escouade d'exploration qui s'est partie libérer Historia et Eren, beaucoup de choses se sont passées. D'une, ils ont dû affronter les forces spéciales qui défendaient Historia, son père et Eren. Encore une boucherie, des pertes évidemment, dans les deux camps, mais l'objectif a été réussi, ils avaient sauvé Eren. Malheureusement, le père d'Historia, le roi Reis, s'est ingurgité une sorte de sérum qui l'a transformé en titan. Et il est devenu gigantesque et impossible qu'il se mette debout, il rongeait le sol droit vers les murs, afin de causer énormément de dégâts. Par sens, en rampant au sol, il n'avançait pas vite vers les murs. Nous avons pu le défoncer avec la cavalerie, et nous avons pu installer et préparer un plan afin de le détruire. Et en plus de cela, il fallait que ce soit Historia qui donne le coup de grâce afin qu'elle soit reconnue du peuple. Je ne vous casse pas plus longtemps, opération réussie. Historia, reconnue comme la vraie reine, a enfin pris son rôle de reine. Et dans la même occasion, nous avons tout dévoilé au peuple. Aujourd'hui est un grand jour. Je quitte officiellement mes fonctions de observateur. De manière, elles n'ont plus lieu. Le pouvoir a changé et la donne a changé. Tout ce qui était secret a été révélé. Il ne reste plus rien. Je n'ai plus d'importance à faire en tant qu'observateur et à retranscrire l'histoire que je voyais. Maintenant, il est temps pour moi de la vivre. Et avec cela, d'aider l'humanité à découvrir toute la vérité et à la transmettre. C'est ainsi que je ferai partie du bataillon d'exploration qui partira à la reconquête de Shiganshina. Nous sommes enfin arrivés à Shiganshina. À vue de l'œil, aucune trace de nos ennemis, ni titans d'ailleurs. Nous avons commencé à examiner toute la zone. Nous avons mis en place en même temps notre plan. Nous avons commencé à escorter Eren pour aller tranquillement reboucher la première brèche. Pendant ce temps-là, une deuxième équipe fouillait. On avait trouvé un reste de contenement sur les murs. Nous avions décidé d'essayer de voir où étaient cachés nos adversaires. Une fois que Eren a rebouché la première brèche, nos adversaires se sont dévoilés. Nous avions retrouvé Rainer dans les murs et s'est aussitôt transformé en titan cuirassé. À l'extérieur, où étaient, nous sommes fait encercler de titans géants. Toute une muraille de titans. Il s'est mis à nous balancer des rochers. Nous étions coincés. À l'intérieur, il y avait le titan cuirassé qui nous attaquait. Et de l'extérieur, le titan bestial qui nous bombardait. À l'intérieur des murailles, le conflit faisait rage. Notre escouade avec une nouvelle arme anti-titan cuirassé fonctionnait. Pendant que nous avions le dessus sur le titan cuirassé, nous avions vu un tonneau en l'air, lancé. On s'est dit, c'est le titan colossal. Avec l'altitude, sa transformation, nous allons tous être balayés. Nous avons tenté d'esquiver cette attaque, beaucoup d'entre nous furent blessés et tués. Et nous n'avions pas pu capturer du coup le titan cuirassé. Maintenant nous étions en effectif réduit. Leur objectif était de tous nous anéantir et de capturer Eren, afin de récupérer son titan. L'étau se resserrait contre nous. À l'extérieur, les bombardements réduisaient nos forces, et à l'intérieur, le titan s'approchait de nous avec le mur. Eren était mis hors service. Nous étions notre beau drap.
aucune chance d'échapper. Jusqu'au moment où notre chef nous a fait un discours encourageant. La seule solution était une charge suicide pour que le caporal Levi aille dégommer le titan bestial, le seul qui était assez fort pour le faire. Mais pour cela, il fallait qu'il puisse y approcher discrètement. Donc nous serons les appâts. Nous avions tous peur. Nous savions que beaucoup d'entre nous allaient mourir, voire tous. Pour l'espoir de l'humanité et la découverte de la vérité, nous foncions. Pendant ce temps-là, dans les murs, une jeune recrue, Armin, avait découvert le point faible du titan colossal. Plus il dégageait de vapeur brûlante, plus il rétrécissait et maigrissait, donc plus il s'affaiblissait. Armin s'est porté volontaire afin d'affaiblir le titan, afin qu'on lui donne le coup de grâce grâce à Irene qui avait repris conscience. Mission accomplie. Le colossal et le titan cuirassé étaient enfin entre nos mains. Nous les avions immobilisés et capturés. Ils ne pouvaient plus se transformer. Nous avions vaincu cette partie-là. De l'autre côté de la muraille, le caporal Levi avait réussi à vaincre le titan bestial. Il l'avait découpé en rondelles, lui avait fait mordre sa poussière. Mais il fut sauvé extrémiste par un autre titan. Dans cette expérience, il ne nous restait plus rien. Il nous restait le sérum du titan et deux prisonniers. Donc le but était d'injecter ce titan à un de nos soldats afin qu'il puisse manger le titan et acquérir ce pouvoir, un nouveau pouvoir dans nos rangs. Hélas, un choix difficile s'est mené à nous. Notre chef était gravement blessé et de l'autre côté, Armin. C'est le caporal Levi qui devait faire le choix. Et le caporal Levi a préféré sauver la jeune recrue Erin. Qui n'a pas plu à tout le monde. Nous avions également découvert les secrets qui étaient cachés dans la maison du jeune Jaeger. En réalité, nous n'étions pas les seuls êtres humains en vie. À l'extérieur d'une muraille, loin de cette étendue d'eau, un peuple nous y avait forcé à y être. C'est eux qui nous envoyaient les titans, afin qu'ils nous bouffent au fur et à mesure, afin de nous exterminer. La dure réalité était que notre adversaire n'était plus les titans, mais d'autres êtres humains. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Allons-nous pouvoir régler ça à l'amiable? Ou ne battre pour notre propre liberté à nous. L'avenir nous le dira, il est incertain. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de vous raconter la suite plus tard, mais sachez que ce dernier recueil que j'ai écrit est destiné pour nos livres d'histoire. Et dernier point, à la faute pour la saison 4.